Sega. Décidément, les remakes des jeux Disney en 2013, c'était vraiment à la mode. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour le Château des Illusions, plus connu sous le nom de Castle of Illusion, un jeu interprété par Mickey Mouse. C'est un jeu qui est sorti de base dans sa version originale, parce que là, c'est une version remasterisée, mais complètement remasterisée, pour le coup. Donc, pourquoi j'ai dit aussi que c'était à la mode? Parce que juste avant, il y avait DuckTales, donc la bande à Picsou, qui est fait par Capcom. Et là, cette fois-ci, c'est Sega qui ont fait Castle of Illusion. Car à l'époque, évidemment, il est sorti sur toutes les machines de Sega. En 1990, Mega Drive et Master System pour les pauvres. En 91, la Game Gear, ou Game Gear, je sais plus comment on prononce. Et puis voilà, maintenant, la version remasterisée au mois de septembre 2013. Sortie sur à peu près tous les supports de l'époque 2013, évidemment. La Xbox 360, la PS3 et le PC. Là, on est sur la version PC, hein, je pense que vous l'avez vu avec le vieux truc Steam en bas à droite avant. Ah, la vieille banderole. Et donc voilà, le jeu est très court par contre, c'est un peu un bémol. Mais bon, en même temps, c'est un peu logique parce que ça reprend un vieux jeu hein, de la Mega Drive. C'est pareil pour DuckTales, hein, il est assez court aussi. Bon, il est un peu plus long, mais DuckTales, ils ont quand même fait l'effort de créer un nouveau niveau par la suite. Après là, j'en sais rien pour Castle of Illusion, parce que moi je l'ai pas testé. Juste regardé quelques vidéos par-ci par-là de Castle of Illusion sur Mega Drive. Mais je l'ai pas testé, j'y ai pas joué. Faudrait d'ailleurs que j'y joue. Parce que ce qui paraît, c'est un très grand jeu Disney. D'ailleurs, j'ai très bien aimé les thèmes musicaux, l'OST, qui est de très bonne facture. Et d'ailleurs, là, ce sont que des l'OST et des complètement reprises de la version Mega Drive en orchestral. Donc voilà, pour les fans, hein, évidemment, de la première heure, c'est magique. Donc au niveau de l'histoire, hein, rien de bien étonnant, hein, c'est complètement repris de Blanche-Neige et les Sept Nains. Enfin, presque. Parce qu'on est contre la vilaine sorcière de Blanche-Neige et les Sept Nains. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le miroir magique dit que la souris Mimi est plus belle et plus élégante que la sorcière. C'est très logique, hein. Une souris vs un humain, ouais, c'est très logique. Hein. Je pense que oui, tous les princes du coin hein, préféreront se taper Mimi que la sorcière. Pourtant, la sorcière est assez jolie, hein. Je ne veux pas vous le cacher. Alors voilà, niveau scénario, c'est un peu n'importe quoi. Tout simplement. Et donc, Mimi se fait kidnapper par la sorcière. Pour que la sorcière la rende plus laide. Et donc, c'est qui va sauver Mimi? Bah évidemment, hein, son gentleman, Mickey, qui se paume dans les forêts. Ah non, là il est complètement paumé. C'est une énigme trop compliquée pour moi. Ah, et ça c'est souvent les niveaux bonus, hein, qui sont... des moments c'est assez chaud quand même de passer ces niveaux. Même si on n'est pas obligé de les faire, parce que si on tombe, on meurt pas en fait. On est juste revenu sur le niveau de base. On repop sur le niveau de base. Après ça c'est des petits bonus pour avoir plus de points, je pense.
pas grand chose quoi. Mais voilà, graphiquement, voilà, je vous ai pas parlé des graphismes. Ah, graphiquement, vous voyez, c'est quand même fort joli. C'est très coloré, tout mignon. Bon, certes, c'est pas non plus, y a pas non plus énormément de décors. Y a quand même par moments, on sent que c'est un peu vide. Mais bon, après, c'est quand même un petit jeu. C'est quand même un jeu qui coûte à peu près, allez, je crois, 15 euros. Voire moins par moment grâce aux soldes. Donc voilà, c'est un peu logique. Je pense que c'est pas un jeu à gros budget. Même si voilà, ça fait plaisir. Vous voyez que Mickey a une animation incroyable. C'est très fluide. C'est très plaisant, je trouve, quand même, à regarder. C'est... Putain. C'est très enfantin et on retrouve vraiment la sensation d'être dans un dessin animé de Disney, quoi, tout simplement. Ah, et aussi, il y a un narrateur qui est avec nous, qui nous suit dans nos périples. Enfin, dans notre péripétie épique. Ah, et voilà une phase, je crois que c'était une phase en mode 7 avec. Enfin, en mode 7. Semi-mode 7 de la Mega Drive. Après, je suis pas sûr. Il faudrait que je le fasse pour la version Mega Drive pour vraiment me rendre compte si c'est les mêmes niveaux et tout. En tout cas, sur jeuxvideo.com, il a eu seulement 13 sur 20. Je suis assez étonné. Bon, moi, je lui mettrais, je dirais, 15. Les 13, c'est un peu faible, quoi. Et j'ai fail. Ok. J'ai fail, mais ils me remettent ici. C'est très logique. Bon, ils sont quand même très gentils au niveau des checkpoints. Hein. Vous avez vu. J'ai pas réussi à sauter, mais... voilà. Le checkpoint m'a remis comme si j'avais réussi... glorieusement mon saut. C'est très logique. Et donc voilà comment ça se passe, les niveaux. Après, on récupère, bah voilà, vous avez vu, on a récupéré pas mal de diamants. Et là, fallait par exemple avoir 15 diamants pour pouvoir aller ici. Donc avant, on avait, auparavant, je pense qu'on avait des niveaux, si je me souviens bien. Des petits niveaux. Puis, bah là, vous voyez, c'est les niveaux. Il y a à chaque fois 3 niveaux par. Enfin, 3 actes. Ils appellent ça des actes parce qu'évidemment, c'est chez Sega. Donc voilà, des actes. Ou des zones. Donc voilà, on va appeler ça des zones, on va pas appeler ça des mondes. Alors, la zone 1, Green Hill Zone, qui est juste ici. Et après, bah, toutes les autres zones, différentes zones qu'on a à parcourir, bah, se trouvent toujours dans le château. Voilà, évidemment. Donc on va faire une zone assez sympathique, voilà, celle-là. Le monde des jouets. Ah bah non, ils disent bien monde. C'est assez étonnant. Voilà les chronomètres aussi quand on finit les niveaux. Un peu comme ça, se la jouer à la speedrun là. Speedrun style. Même si je suis un pro speedrunner de DuckTales, remasterisé. D'ailleurs, je vous ai toujours pas montré mon speedrun. Mais par contre, pour Mickey, je me suis pas du tout entraîné. Ah, vous voyez, hein, je n'ai pas une prestation magnifique. Je ne sais pas où faut aller pour aller le plus vite. Possible. Ah là, c'est un niveau bonus encore. Cette fois-ci, c'est en 3D. Voilà, on a quelques niveaux bonus en 3D comme ça. On bouge en 3D. Parce que normalement, on va dire que 80% du jeu, voire plus 90, hein, franchement, 90% du jeu, c'est de la 2,5D. Qu'est-ce que de la 2,5D? Là, tout simplement, c'est de la 3D, mais on bouge en 2D dans de la 3D. Voilà. Ah, c'est incroyable, je vais peut-être réussir le niveau bonus qui est assez chaud. Voilà. Vous voyez, c'est très animé, c'est très joli. C'est tout rond. Voilà.
Un peu comme la version Mega Drive à l'époque. C'était un jeu très joli et très enfantin, comme vous pouvez le voir. N'importe qui peut jouer à Mickey Mouse, hein. Enfin, Castle of Illusion. Parce que bon, c'est pas un jeu extrêmement hard, hein. Contrairement à DuckTales. Voilà. Qui peut être chaud, lui. Enfin, DuckTales en difficile, bien sûr. Même en facile, ça reste ce chaud quand même. Alors que là, ouais, c'est ce jeu-là, c'est plus tourné vers, je pense, un public jeune. Enfin, je suis sûr même. Pourquoi je pense? Et oui, la difficulté n'est pas incroyable. Même si, je trouve qu'elle est quand même assez bien dosée, parce qu'il y a des moments où on galère un peu. Et bon, par contre, les boss, voilà, faut dire ce qu'il y a, ils sont pas terribles. Bon, ils peuvent toujours être mieux que les boss des New Super Mario Bros. Hein. Bon, c'est pas incroyable non plus. Mais ils se ressemblent pas mal quand même, les boss dans le jeu. Ah, une petite phase course-poursuite là, à la fin. Enfin, c'est juste Mickey qui s'affole tout seul. Hein. Ouais, et puis la musique là, franchement. L'une des meilleures musiques, l'une des meilleures compositions de ce jeu. Il y a en fond. Par contre, c'est bizarre qu'il y ait déjà la porte exit au tout début aussi. Ah oui, 2 minutes 40, ah, c'est parce que j'avais un peu speedrunné. J'avais... Je sais pas, mais j'ai un peu envie de speedrunner ce jeu. Aussi. Donc on peut voir les tableaux aussi, bon, ça sert pas à grand chose. Voilà. Le tableau bien pixelisé. Et on monte les marches avec un petit bug graphique. C'est la première fois que ça arrive. Pour aller à une nouvelle zone. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. À chaque fois, vous serez jamais en manque de diamants. Hein. Souvent, les diamants, ils sont sur votre chemin et ça passe quoi, tranquille. Donc on va faire la bibliothèque et on va essayer de combattre le boss. Parce que je crois que c'est là où il y a les boss. Ouais. À chaque fois, l'acte 3. Ah, et en plus, cette zone est très jolie. Ah bah voilà. Ah, et bah en fait... oui, à chaque fois, l'acte 3, en fait, c'est directement un boss. Hein. Ce boss-là n'est pas si facile que ça. Mais en même temps, là, on est rendu loin dans le jeu. Pour tout vous dire... ça fait longtemps que je me suis pas entraîné. J'ai plus trop joué à ce jeu-là, donc les patterns des boss, hein, voilà, on se souvient plus trop. Ne vous étonnez pas si je me viande. Oh. Donc voilà, vous pouvez voir aussi qu'on a le droit de se faire toucher 5 fois, donc c'est quand même assez... plutôt simple à ce niveau-là. On ne meurt pas parce qu'on n'a pas assez de vie. Hein. Voilà, après je joue au contrôleur 360. Et là vous voyez la jouabilité est tip top, on manie très bien Mickey. Voilà, vous voyez quand même que c'est très simple. Je connais presque pas ces patterns et j'ai gagné. Oh voilà, que dire de plus? C'est un jeu sympathique pour les nostalgiques qui ont joué à la version Mega Drive à l'époque, ou Master System si vous étiez pauvre. Ou c'est bien aussi pour les jeunes joueurs qui n'ont pas connu Castle of Illusion, qui est un excellent jeu de l'époque,
puis voilà, après il y a très peu de bonus dans le jeu. Hein, vous voyez, il y a des fois des niveaux bonus, mais bon, c'est... Il n'y a pas grand chose, hein. C'est l'un des points faibles qui a marqué dans jeuxvideo.com, c'est un peu n'importe quoi. Bon, il y a aussi... Ah, là c'est le boss final, hein. J'ai envie de vous spoiler un peu. Non, surtout là, je suis allé par hasard ici en fait. Et donc voilà, c'est... C'est un jeu coloré, mignon, quiche, comme à son époque sur Mega Drive. Ça reprend vraiment la thématique de sa première version. Je sais pas si ça se dit. Voilà, les couleurs sont très vives. Bon, attends, on va changer de niveau. Parce que bon... Je galère, et en plus, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais surtout, je galère. Voilà, et puis vous voyez, le maniement bon, est parfait, il n'y a pas de problème. En même temps, c'est la plupart des jeux de plateforme en 2013, là, maintenant, bah, sont presque nickel à ce niveau-là. Et je vous ai pas dit, on peut aussi balancer des pommes. Comme dans la version Mega Drive à l'époque. Voilà. C'est vraiment le même gameplay que sur Mega Drive. Donc là, c'est un niveau avec le niveau d'eau qui monte et qui descend. Ah, une trouvaille assez. C'est une trouvaille assez originale à l'époque. Parce qu'il faut se dire qu'on était à l'époque sur Mega Drive, voilà. Parce que maintenant, c'est la plupart des jeux de plateforme, on a un niveau avec de l'eau qui monte, tout ça. C'est assez classique. Et il y a aussi un peu de zone aquatique, comme vous pouvez voir. Fail. Et quand on fail, franchement, les checkpoints sont partout. Hein. C'est du même style que Rayman Legend à ce niveau-là, quoi. Ils ont vraiment été sympas à ce niveau-là, les développeurs. Donc voilà, pour un jeu à petit budget, c'est quand même un très bon jeu, et on passe vraiment un très bon moment pendant 2 heures. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, pour plus de vidéos tests, et peut-être aussi de rétro-tests.